Alors bonsoir, je voulais juste partager avec vous une petite vidéo rapide aujourd'hui par rapport à un apprentissage que j'ai fait aujourd'hui que j'ai trouvé vraiment génial. Alors il y a trois mots qui m'ont permis de changer de perception encore un peu plus. Le premier c'est fail. Fail c'est échouer, mais en fait ce qu'ils disent ici c'est fail, it's just first attempt in learning. En fait, échouer c'est juste ta première tentative pour commencer à apprendre et j'ai trouvé ça vraiment génial de changer sa perception par rapport à l'échec. C'est pas la fin du monde, au contraire. Si je considère ça comme si c'est la première fois que je commence à apprendre, c'est juste génial. Le deuxième mot que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est end, la fin, end. Ils disent non, end c'est effort never dies. Les efforts ne meurent jamais. C'est-à-dire que quoi que tu fasses, dis-toi toujours qu'à un moment donné, ça va te donner des résultats. Continuer à chaque fois au lieu de prendre le end comme c'est la fin, plus rien ne va arriver, c'est terminé, on ferme boutique, je dois passer à autre chose. Pas du tout. Et le mot no, non, ça j'ai adoré, c'est next opportunity. C'est à chaque fois que quelqu'un vous dit non, considérez-le comme une prochaine opportunité. C'est quelqu'un qui est en train de vous préparer pour obtenir un oui. Et j'ai trouvé ça génial. C'est vraiment une nouvelle perspective pour avoir un esprit positif et de continuer à avancer dans les meilleures conditions, même si on vit des choses un petit peu difficiles, comme ce qui peut être interprété comme échec, failure, un non et un end. Voilà, c'est juste une petite vidéo. Je voulais partager avec vous ça aujourd'hui. J'ai trouvé ça génial et je vous garantis que je vais l'adapter. Je serai la première à l'adapter. Et faites-en autant. C'était Coach Nelly de la chaîne depuis San Diego.